Non, bah, c'était un casting où il fallait faire beaucoup d'improvisation, il y avait énormément de callbacks. Où je me rappelle, on devait faire une scène où c'est le personnage d'Adèle qui raconte à ses amis avec un peu de honte et d'excitation aussi qu'elle rêve d'une fille qu'elle a croisée et que depuis ça l'obsède un peu, elle envahit un peu ses rêves, etc. Et donc il y a eu beaucoup de callbacks comme ça et un jour on m'a dit, faut que tu rencontres Abdel, enfin Abdel veut te voir. Et après, je l'ai donc j'avais lu que la BD, seulement la BD, puis après je l'ai rencontré dans un café à Belleville. Et donc là, c'était la première rencontre. Et qui je pensais s'était super mal passé puisqu'on ne s'était pas énormément parlé, vu qu'il a quelque chose beaucoup dans l'observation et dans le silence. Et il m'avait dit, parle-moi un peu de toi, et vu que je trouvais ça un peu chiant, je lui ai dit, bah non, pose-moi des questions. Et vu qu'il ne me posait pas vraiment de questions, enfin, on est un peu resté dans le silence, je suis reparti en me disant, merde. Et on m'a dit, bah Abdel veut te revoir, et pendant un mois, on s'est vu comme ça. Et au fil du temps, on s'est plus confié, et enfin, on s'est beaucoup confié même, parce que je trouve qu'il aspire à quelque chose d'assez à l'écoute et de compréhensif. Et après, un jour, il m'a dit, c'est moi. Bon, et pendant, il essayait un peu de me tester, il me demandait de faire du sport, il me demandait de commander des choses à manger pour me regarder manger. Bah, ça faisait 3 semaines qu'on tournait. Ah oui, Et d'accord. ouais. Et donc, on était là, il me disait, tous les jours, il me disait, bon, est-ce que tu... Clémentine, Jocelyne? Et je disais, Jocelyne, non. Et après, il me disait Zoé, et pendant ce temps, on tournait avec plein de prénoms différents, donc je ne comprenais pas vraiment s'il tournait vide ou pas. Et vu qu'il tournait souvent aussi, quand les autres n'étaient pas forcément prévenus à la cantine ou durant les trajets pour aller sur le plateau, pour revenir du plateau, il y avait beaucoup de gens qui m'appelaient par mon prénom, en fait. Et un jour, il est venu me voir, il m'a dit, est-ce que ça te dérange de garder Adèle? Parce que j'aime bien le fait que ça veut dire justice en arabe, je trouve que ça correspond bien à ton personnage. Et je lui ai dit, non, ça ne me dérange pas. Et de là, on a gardé. J'avais pas vu Vénus Noir. Oui. J'avais vu La Faute à Voltaire, La Graine et le Mulet et L'Esquive. Et il y avait plein de choses que j'aimais dans son cinéma. J'aimais la transe qui émane de ses films. J'aimais justement Là, pardon. la transe qu'il y Oui. a dans ses films. J'aimais les scènes de bouffe, les grandes scènes en famille. J'avais l'impression qu'il rendait un peu justice aux femmes dans ses films aussi, à leur puissance. J'aimais la pudeur des hommes dans ses films. Enfin, il y avait plein de choses qui me plaisaient. Non, ça m'a attiré parce que j'aime aussi le fait qu'Abdel, il part souvent d'une histoire commune du quotidien et qu'il en fait quelque chose de bouleversant et c'est ça qui me plaisait. Alors le fait que ça soit une rencontre qui bouleverse la vie de cette jeune fille et que ça soit juste deux êtres qui se rencontrent et que ça change toute leur vie et toutes leurs convictions et que ça remette tout en question, ça me plaisait beaucoup. Puis il m'avait prévenu dès le début qu'il voulait faire une passion et tout ce que ça implique à l'intérieur. Donc on avait parlé de la nudité, des émotions. Après c'est différent quand c'était sur le plateau, mais on était prévenu. Je l'ai rencontré une ou deux fois avant, mais très furtivement. Ouais, pour des essais techniques, pour voir nos deux visages à la caméra. Et puis après on a un peu brisé la glace parce que la première scène qu'on a tournée ensemble, c'était une scène d'amour. De sexe, donc forcément ça décomplexe un peu. Et c'était la scène du rêve qu'on a tournée en premier toutes les deux. Et avec Léa, ça a été un peu comme une évidence, on s'est très vite rapprochés et très vite très bien entendus. On a dû s'engueuler une fois et je crois que c'était de ma faute. Mais ouais, moi ça m'a beaucoup aidé d'avoir une amie. Enfin, je pensais pas que j'aurais une amie d'ailleurs sur ce tournage. Pourquoi? Non, mais pas une amie, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez éphémère quand c'est concentré, alors que là, j'ai vraiment découvert quelqu'un avec qui enfin, on a eu une complicité qui est énorme. C'est-à-dire, c'est spécial. Léa, je la connais comme je connais personne. Enfin, on a une relation où on a partagé des choses très fortes pendant 5 mois, où on s'est vraiment aidé, on s'est porté. Et du coup, bah rien, du coup, je l'aime beaucoup. La scène de la rupture, elle me faisait un peu peur parce que vu que encore une fois c'était chronologiquement, on se disait faut vraiment pas la rater. Puis faut pas que ça soit que des cris, il fallait vraiment jouer un effondrement. Et ce qui était dur dans cette scène, c'est que je devais rentrer, faire l'innocente, dire non, ce mec c'est juste un collègue, alors que je savais très bien la suite de la scène et que ça allait être affreux et qu'il y aurait ni communication ni négociation et que j'allais me faire virer et que notre histoire elle s'arrêtait là. Du coup, c'était dur au début d'arriver comme ça, alors que je savais qu'elle allait me gifler, etc. Je trouvais ça un peu dur. Et après, bizarrement, quand je devais être institutrice, c'était dur de s'adapter au rythme des enfants, parce que tu te retrouves en face de 30 enfants qui ont toutes leurs
qui sont spontanées, qui sont là, qui sont naturelles. Et en même temps, tu as envie d'être proche d'eux et ça vient naturellement. Et en même temps, tu dois être autoritaire. Donc pour moi, j'ai que 19 ans. C'était un peu dur, je trouve, de trouver ma place et de me situer à l'endroit où l'institutrice arrive exactement à se placer. Je la partage pas, mais je peux la comprendre. Mmh. Je pense que j'aimais aussi que la transmission berce un peu les films d'Abdel. Et je pense qu'elle, c'est son ambition, c'est ce qui lui plaît. Mmh. Et que c'est vrai que, comme elle le dit dans le film, le système scolaire, c'est quelque chose qui l'a aidée, où elle n'avait pas l'impression qu'on lui enseignait les choses, mais qu'on lui transmettait, et ça lui parlait, ça la nourrit. Et je pense qu'en plus, elle a un désir d'enfant comme ça, qui peut-être se frustre un peu avec sa relation avec Léa, surtout que ça se dégrade. Et du coup, je peux entièrement comprendre que pour elle, c'est un beau métier et que ça la transporte. Enfin, Abdel, il voulait vraiment qu'on soit dans l'instinct et aussi dans l'instant. Enfin, il voulait vraiment qu'on... Puis il y a une sorte de... Abdel, il travaille aussi beaucoup dans le relâchement, un peu dans l'épuisement, même s'il ne veut pas l'avouer. Mmh. Et donc, c'est vrai qu'il veut que tu t'abandonnes. On peut passer une semaine sur une scène quand il estime qu'il attend le moment de grâce, il attend le moment où il y a les masques qui tombent et il veut capturer un truc de ton âme. Et c'est vrai que des fois, quand tu es jeune, c'est un peu déstabilisant. Mmh. Puis tu te dis, est-ce que c'est nécessaire? Pourquoi on applique cette méthode? Puis qu'est-ce qu'il y a de mauvais dans la scène pour qu'on la fasse 100 fois? C'est très mauvais. Et pour lui, non, c'est l'évolution, c'est sa construction à lui. Parce que je sais que, par exemple, cette méthode, Léa et moi, on a deux natures un peu différentes. Et puis c'est vrai qu'elle a beaucoup plus d'expérience que moi. Mais c'est vrai que quand tu es jeune et que tu débarques un peu comme moi, tu as tendance à être plus instinctif. Donc d'être bousculé, ça te pousse et tu te poses moins de questions, je pense. Tu cérébralises moins que quand tu es plus confirmé. Mais c'est aussi déstabilisant parce que moi, comme mon personnage, je me construis. Enfin, on se construit toute notre vie, mais je veux dire, c'était difficile des fois de se sentir un peu perdu. Et en même temps, il veut que tu aies le plaisir de jouer, Abdel. Il te laisse une liberté énorme, il laisse une grande place à la création, à l'improvisation. Il veut développer ton imagination, il veut que tu prennes du plaisir. Il peut laisser tourner une heure la caméra et ça, c'est formidable. Par exemple, la scène du parc, qui là, maintenant, est un peu réduite, où je l'embrasse pour la première fois. Mais on avait passé une semaine sur cette scène parce que Léa, elle devait un peu me parler de comment étaient venues ses pulsions, ses désirs, son homosexualité, quand est-ce qu'elle l'avait assumée, affirmée. Il y avait quelque chose où, je sais pas, c'était un peu latent, on n'était pas sûr et ça marchait pas vraiment. Et en même temps, on devait être dans la séduction. Et pendant une semaine, on allait dans ce parc, manger de la charcuterie, boire des bières. Mais les scènes aussi de bouffe, elles sont dures avec Abdel. Ouais. Il m'a traumatisé de certaines nourritures. Parce qu'à 8h du matin, quand tu manges 7 kebabs, comme ça, franchement, ça a l'air rigolo, mais c'est dur. Ouais, bien sûr, mais Abdel, tous les jours, c'est surprenant. Tous les jours, c'est du délire. Mais parce que c'est vraiment pas conventionnel, quoi. C'est pas à telle heure, on va faire ça, dans telle lumière, ça va être très beau, on va cadrer comme ça. C'est un truc où c'est un peu... C'est freestyle, c'est en famille. Il est avec son équipe réduite et il dit, bon, bah aujourd'hui, tu vas aller manger un hamburger et tu vas pleurer. Finalement, vous allez boire une bière avec Emma et on va voir ce qui va en ressortir. Au lycée, toutes les scènes de lycée, il laissait vachement, il nous laissait tous les jeunes s'exprimer. On faisait des scènes dans des boîtes de nuit, des scènes de beatbox, on faisait beaucoup d'impro. Donc il fait avec ce qu'il a aussi beaucoup et il estime que c'est ça le plus beau. Mais il s'est révélé jusqu'au boutiste, beaucoup. Il s'est révélé dur, il s'est révélé doux. Enfin, il a vraiment une complexité qui est impressionnante. Et c'est comme ça. Enfin, Abdel, il a une passion qui est débordante et des fois un peu imposante. Mais c'était celui parfois qui avait le plus d'énergie sur le film et c'était impressionnant. Quand on pariait l'heure de fin parce qu'on n'en pouvait plus et qu'on disait « Ouais, tu paries combien ? Non, moi j'ai déjà bossé avec lui, je te jure, encore 3 heures, il est chaud. Non, non, encore 1 heure. » Le mec, il arrivait, il était mais bouillant. Même 3 semaines avant la fin, on ne savait pas ce que c'était la fin. On se disait « Est-ce qu'elle se suicide ? Est-ce qu'elle meurt ? » On avait tourné des choses avec où elle prend des médicaments, où elle est en dépression, etc. Et je lui disais, Abdel, mais comment je finis et tout, qu'est-ce qui se passe? Et je pense qu'il n'avait pas envie de la voir mourir et qu'il avait aussi ce fantasme de la laisser vivre et de faire une fin ouverte, un peu comme ça, en questionnement. Mais j'avais aucune idée à Cannes de ce que j'allais voir. Et quand je l'ai vu, je trouve qu'il a été le plus juste pour le film, qu'il l'a allégé. À la base, mon personnage, il était beaucoup plus dans le sacrifice. Et ça, c'était plus proche de la BD. Mais je pense qu'il pourrait faire plein de films avec tout ce qu'il a.
il pourrait faire beaucoup de fins différentes. C'était mon premier Cannes. Ouais. Et je crois que ça reste un de mes meilleurs. C'était dingue, Cannes. Déjà, on pensait que les avis seraient beaucoup plus divisés sur le film. Qu'il y en aurait qui n'aimaient pas du tout, que les scènes d'amour, ça allait peut-être beaucoup trop les déranger, que d'autres allaient être... Et quand on a vu que ça faisait l'unanimité et qu'il y avait un engouement qui était énorme, on a tous halluciné, on était là, mais c'est dingue que ça plaise à tout le monde comme ça. Et puis après, bon, la cérémonie de clôture, c'était « je réalise toujours pas ». C'est vrai que moi, quand j'avais vu le film, déjà, tout le monde m'avait dit « mais dis à ton père de pas venir, dis à ton père de pas venir ». Et j'avais dit « ouais, mais il a loué son petit costard, il est venu et tout, il s'est pris son billet de train, et puis ça va m'arriver qu'une fois dans une vie, peut-être, de faire une projo à Cannes, comme ça, dans une salle énorme. » Et du coup, j'ai appelé mon père, je lui ai dit « t'inquiète pas, c'est du cinéma, tout est faux, tout est faux. » Enfin, c'est du cinéma, quoi. Et après, donc il s'est détendu, et puis après, on... Ouais, c'est effrayant, parce que... Bah, t'as peur de comment les gens vont l'interpréter, comment est-ce qu'ils vont réagir, est-ce qu'ils vont être touchés, est-ce qu'ils vont s'identifier. Et c'était super émouvant, cette projo. Mon père, il est tellement respectueux et bienveillant que c'est le seul de tout Paris à pas m'avoir parlé des scènes d'amour. Il était juste fier, en fait. Et il a... Ouais, j'ai la chance d'avoir une famille qui est très bienveillante et respectueuse et intelligente. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on était à Telluride et qu'on a fait une interview où on a raconté avec pas mal de distance et en tout cas beaucoup plus de légèreté que ce qui a été écrit, des anecdotes du tournage. Mais en se disant, oh, mais tu te rappelles quand il t'a demandé de me gifler, lèche ta mort, je sais plus quoi. Et c'est vrai que le lendemain, on a vu que le négatif avait été beaucoup gardé. Et en même temps, ces choses-là, on les a dites parce qu'elles sont vraies. Moi, après, c'est ma première promo. Je ne pensais pas que ça allait avoir des répercussions comme ça et qu'après, on allait parler plus que de ça et que tout allait être interprété. Mais je pense que oui, c'est un tournage qui a été... Bah, quand il n'y a pas de hiérarchie, quand ce n'est pas conventionnel et quand c'est autant concentré, c'est vrai que je pense qu'on a tous un peu souffert sur ce film. Mais après, il n'y avait aucune volonté de cracher dans la soupe ou de faire des choses comme ça. C'est juste que c'est un film qui... Déjà, le sujet, il était un peu dans la souffrance, que Abdel, parfois, justement, cet abondant qui te demande, il peut être très déstabilisant. Et que voilà, après, c'est mieux de laver son linge sale en famille, ça, c'est clair. Après, aussi, Abdel, c'est une proie facile, étant donné que voilà, dans Paris, il n'a pas forcément la meilleure réputation. Quand nous, on a dit trois anecdotes, ça a fait aussi toute une histoire. Alors que c'est vrai que c'est des choses, des rancœurs qui auraient pu rester entre nous. Mais je pense que voilà, un film, c'est une aventure humaine. C'est très dur de faire comprendre à quelqu'un une aventure humaine, surtout à des journalistes. Et que... Non, mais c'est vrai. Qu'ils viennent et qu'attendent le petit truc croustillant pour te retourner. Donc ouais, moi, je trouve que c'est dur de résumer. Enfin, pour moi, ce film, c'était une grande passion. Il y avait des grands oui, il y avait des grands bas. Et tu peux pas résumer 5 mois d'humanité comme ça, où forcément, des fois, il y a des conflits, forcément, il y a des choses qui peuvent pas s'appliquer à tout le monde. Mais moi, je regrette rien, j'oublierai pas, et voilà. J'ai eu une chance énorme de faire partie de cette aventure. Peut-être, Inch'Allah, comme il dit, mais je pense que le connaissant, c'est plus un fantasme. Abdel, il a du mal à laisser ses personnages partir et ses actrices partir. Mais pourquoi pas, tant que tu te lasses pas et que tu lasses pas les autres.